Salut tout le monde, c'est Ilya, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Spider-Man, l'épisode 4. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, ça me fait vraiment plaisir. Tais-moi. Tais-moi la tenue que j'ai fait. Avec un carton sur la tête. Oh, c'est vraiment un casse ce gars. Écoutez, pour cet épisode, on va partir en mode tranquille, avec un petit carton sur la tête. Ça va être l'anniversaire de ma tante. On va voir ça. J'espère que les épisodes précédents vous ont plu. Et voilà, les gars, profitez, profitez, profitez de ce jeu. Bon, qu'est-ce que je dois faire là? Ah. T'es marre avec son sac sur la tête là. Ça me bute. Ouais, ce jeu, il va me tuer. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Ok. Du coup, vas-y, go. Wesh, pourquoi y a des... C'est des SDF ça? Salut Pete, Ah ouais. salut Peter. Ouais, moi aussi, frérot. Salut, la partie se passe bien? À ton avis, je gagne bien sûr. Ah, Comment c'est que c'est peut bien. devenir sénile? C'est bien, c'est bien. Bref, je dois aller Le où? plus important, c'est de s'amuser. Ah merde, c'est un nom en fait. Peter, Ah comment ça putain. va? Ah, monsieur Lee. Wesh, monsieur Lee. Allô? Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, mais c'est ma tante préférée! Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très Non, lourdes non, dans... non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin Non, d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux Wow! bébés. Peter, que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May m'a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Vas-y, go. Ok. Super. Bon. Vas-y, Yuri. Qu'est-ce que tu nous as? Joyeux anniversaire, Madame May. Pourquoi elle s'appelle pas Juin? Regardez-moi sa tête. Regardez-moi sa tête. Avec son sac. Ah, je suis sûr que ça me bute. Cet épisode, on va le faire comme ça. Yuri. Hé. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de fisc. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de fisc? Génial! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Ok, ça marche, du coup, on va continuer. J'aime bien Yuri, mais j'ai l'impression qu'elle va nous mettre des bâtons dans les roues plus tard. Parce que c'est une flic, tu vois, et moi je suis Spider-Man. Du coup, ben, les flics sont jaloux un peu de Spider-Man. Non, enfin, ça c'est dans les films. On va voir. Pourquoi ça a l'air stylé de ouf? Mais vas-y, l'anniversaire, moi je m'attendais à un truc plus stylé quand même. C'était waouh, un gâteau. Elle a quel âge? 75 ans, non? Enfin bref. Ah, je jure les gens. Oh, c'est trop stylé de jouer avec la manette à la main. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas.
Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, tante May. Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je... Je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime, tante May. C'est mignon, les relations... C'est mignon les relations avec sa tante. Ça va être stylé. Je pense que au fur et à mesure de l'histoire, ça, leur relation elle risque d'être stylée, tu vois. On va voir ça tout de suite. Hein. Enfin, tout de suite, pas tout de suite, mais prochainement. Quoi. Ok. Je peux en activer les tours. Ça, c'est intéressant. Ça, je le ferai en live ou en off. Y'a pas de problème, ça. Ça, je perds pas trop de temps sur l'histoire principale. Putain, mais c'est trop stylé, oh, je vous jure. Oh, avec la manette dans les mains, les vibrations et tout, c'est abusé. J'aime trop. Ce jeu, il envoie trop du lourd, c'est abusé. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe là? Il faut passer par derrière. Passer par derrière. Je suis discret, t'inquiète. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'il me repère, ils la tueront. Je dois agir en silence. Ok, du coup c'est une mission infiltration. L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Ah ouais. Faut pas aller ici du coup. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Je dois lancer la tasse rouge là. Ah. Je prends au sol. Mais il est vraiment bête, lui. Il est vraiment bête. Ah, ça a disparu. Mais il est vraiment bête. Je suis mort. Ok, du coup, j'allais. Ah, mais la vérité, il me bute avec son carton là sur la tête. Ouais, j'aime trop ce costume en vrai, il est stylé de ouf. Ça c'est trop bien, franchement j'aime bien. Merde, ouais, du coup faut descendre. Ok. Doucement. Ok, j'arrive plutôt. C'est stylé. C'est stylé, vas-y. Il y a deux gars ici en... Ah, faut que je monte. Quelqu'un approche. Oh. Ils vont me voir ici. Comment je monte? Ah, voilà, comme ça. J'ai galéré à monter. Quoi? C'est quoi cette galère? Oh! Ah! T'as merci, frérot. Ok, elle est gentille. Quoi? Dites-moi. Ah, j'ai cru qu'il l'avait tué. Je peux pas tirer. Ok, il y a un danger. Danger. Ok, bah ouais. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Pourquoi je peux pas tirer? Je peux pas tirer de toi, lui. Ah! Je dois chercher des diversions. Ils sont vraiment bêtes, hein. Mission infiltration.
Je vois pas, y'a ton pote là. Je vois pas qu'y'a ton pote là. Mais vas-y, attaque. Bon. L'infiltration, elle a échoué un peu. Mais c'est pas grave. Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Oh, MJ. Mary Jane. Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait... Techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, Craig. Non, désolée, mais... Je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Ah, ok, je vous... Mary Jane. MJ. Trouvez-moi la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Je peux utiliser toi aussi ou pas? Ah non, wesh, j'ai fait une photo. Wesh madame. Salut. Moi je suis pas Brady. Oulala, là là, la démarche. Tac, tac, oh là là, Playboy. Tac, de côté, hop, de profil, hop, de dos, hop, à 90 degrés, hop, 160 degrés, ish. Dites-moi, allez. Vous voudrez commencer. Ça marche? Mais juste bien, je te prends en photo, frérot, calme-toi. Attends, on va prendre ton gros front, là. Ton gros front. Faut pas zoomer. Attends, je vais zoomer, moi. Faut pas zoomer, là. Ouais, faut pas zoomer. Ton gros front. Bref. Du coup, je l'appuie sur triangle. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Waouh. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fiskar. MJ, la photographe. Oh, merde. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Ton gros front, là. Vas-y, continuons. Avec son gros front. Wesh. Bref. Ensuite, vas-y, madame. J'entends que tu continues. Technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashiko. Waouh. Les deux nios sont très imposants. Je comprends. Trop beau. Que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la gros front. La construction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes? Elle a des pellicules, wesh. Pour lui? Oh, et des shoulders. Non. Sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Ok. Bon. Vas-y, speed un peu, madame. I want to make beaucoup de photos. Bon, ensuite, je dois prendre en photo quoi? Ton gros front. Vas-y. Elle est buggée. Gros front, elle est buggée. Vas-y, gros front, je dois faire quoi? Regardez les fines incrustations dorées de ce service à tes rituels. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture? Ok. Elle commence à bégayer.
Quand mon ami elle commence à bégayer là, madame. A su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? D'accord, juste la photo. Ok. J'en prends en photo. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lèvres... Oh, c'est lèvres, elle bouge quand elle parle. Oh, le téléphone sonne. Attendez là, je vous prie. J'étais en train de te prendre en photo. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a... C'est bon. Craig, je te rappelle. Ouais, c'est Kratos. Maintenant, oh, c'est Kratos. Ah non, c'est pas Kratos. Je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien. Ouais. Suivez-moi. Je dois faire mes besoins. C'est vraiment un bel espace. En effet. De ouf. Et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Ouais, je manque moins de... Oh, elle me manque de respect, là. Manque-moi moins de respect, s'il te plaît. Tu es ouf, toi. Eh, gros front, là. C'est la dernière fois que vous le verrez. Voilà, là. Bon, on va dans les toilettes. Putain, première fois de ma vie, je vais dans les toilettes de filles. Alors, on va voir ce qu'il y a. La légende raconte que dans les toilettes des femmes, ben, il y a rien. Il y a juste des toilettes. On va voir tiens, ça. Salut, Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Oulala, là là, on est dans la sauce là. Et bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comme... Eh. Okay. Ça, un ah, c'est une ennemie carrément, c'est même plus... Gros front là. C'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Pff attends. Qui est dans ma salle d'enchères? C'est Iliès. Oh mon dieu. Ah, oh mon dieu. Non. Je lui dis c'est Iliès, oh mon dieu. Ça. Gros front, là. Je rigole, je rigole. Pour commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Ah, tu mènes rien du tout, frérot. Et ensuite, je vais gros front. Pour te faire tomber, Craig. Oh, vas-y, va là-bas, Craig, madame gros front. Oui, c'est très clairement. Faut que tu partes. Eh, galère que je suis une menace. Uh-huh. Mais, reine là-bas! Merci. Merci. Elle est vraiment bête, hein. Gros front. Mais ferme la porte, toi aussi! Elle se ferme toute seule la porte. Ok. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? Jure. Elle s'ouvre. Oh. On touche avec les yeux. Je me demande s'il y a des indices ici. Bah ouais, si tu te demandes s'il y a des indices, c'est qu'il y en a. Logique. Ok, le bureau. Aïe, aïe, Fisk. Mon petit fiscounet. Mon petit nounours. Nounours. Et c'est Niro. Ok. Il est différent. Et là, il regarde à ma droite. Du coup, il regarde à gauche. Ah, donc, comment qu'il était là, comme ça. Du coup, faut que... Tu vois, là, il regarde à gauche. Il doit regarder là, à droite. Et du coup, comment je fais? Eh frérot, ça commence les énigmes. Icône. Examiné, bah vas-y. Il tient quelque chose. Il tient quoi? Une flûte? Non, c'est pas une flûte. Attends. Et ça, c'est quoi? Examiné. Ah, il veut pas qu'on le prenne en photo. Ça, c'est No Paparazzi, tu vois. Ok. Quitter. Vas-y, merci. A few moments later. Voilà. Oh, tout simplement. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas. Où est la statue? Ici. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment.
Bon. Ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. Comment ça je m'occupe des méchants, non? C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Oh, les lovers. Les amoureux, les amoureux. C'est pas le moment, Peter. Les amoureux. Oui, d'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Bon, la salle est sûre. Ok, du coup. Ensuite, fort quoi là maintenant? Il y a LR. Ok. On se grimpe en haut. Je vais essayer de m'occuper de lui d'abord. Pleure pas, hein, gros front là, il pleure. Ok, ça c'est fait, nickel. Ensuite, il reste qui? Tranquillement. Ok, je vais pas me prendre de risque. C'est le dernier. Ok, nickel. Ensuite. MJ. Faut aller où? Oh, MJ. Arrêtez! Non. Cache-toi! Ok. C'est pas bien de prendre des otages, les gars. Wow. C'est quoi ce machin qui brille ici en vos mains? Vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi! Ah ouais, ils sont des trucs électriques bizarres, là. Enfin, j'ai affronté des spectres. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous savez? Ah ouais? Oula, oula, oula. Ah ouais, je dirais que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes. Tant pis, je garde combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs. Ah ouais, j'ai des grenades électriques. Ok. Ok. Eh, ils font trop mal les messieurs, ils font trop mal. Ils veulent pas rigoler avec moi. One eternity later. C'est bon, c'est tout KO. Wesh, Kratos. Oh. Kratos, calme-toi, là. Avec sa hache, là. Wesh, la vérité, c'est Kratos. La vérité, c'est mon bat contre Kratos. Là. Oh, calme-toi. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Je fais comment, moi, Kratos, là? Salut, Kratos. Oh, la vérité, c'est... La vérité, ils sont énervés. Ok. Comment ça, tu me touches? Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est? Ok, bon. Ok, c'est bon. C'est bon, ils sont morts. Ouais. Allez hop. Au revoir monsieur. C'était un plaisir de jouer avec vous. Mais on doit se quitter aujourd'hui. C'est fait. Ok.
ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de Alors, se passer. Que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Gros front. Hey, ça va? Oui, mais je s'enfuis avec le dossier. Dîner chez Mike pour se voir donner? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Ouh là là, elle est amoureuse. Ok, à tout à l'heure. Elle est amoureuse. Ouh là là, MJ. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée. Comme ça, Mick. Elle l'appelait Mick. Ah, c'est Mike. Mike. Les meilleurs de la... Là, ils sont en petit date. C'est un date. Comment ça se passe au Bugle? Au Bugle. En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement, cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Stanley, ça. Je vous ai Stanley. Bon, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Il était un peu plus long que les épisodes précédents. J'espère qu'il vous a plu quand même. Et moi, je vous dis, on se retrouve demain pour la suite. Allez, ciao les gars.